Bonjour, je m'appelle Ilan, j'ai 20 ans, je suis actuellement en troisième année de droit et de sciences politiques à l'Institut catholique de Paris et j'aimerais m'orienter vers la fonction d'avocat. Grâce à la fac, j'ai pu découvrir de nombreuses choses, comme les associations. J'ai appris ce qu'était de créer une association, de la faire évoluer, de travailler avec plusieurs types de personnes en fonction des caractères, des plus ou moins autoritaires, des plus ou moins intransigeants, des sanguins, des calmes, mener à bien des projets. Puis évidemment assumer les répercussions que les projets peuvent avoir. C'est aussi ça le travail de président. Et toutes ces expériences m'ont permis de vouloir m'engager, je dirais, à une autre échelle, m'engager un peu plus pour les autres et plus seulement pour ce que j'avais voulu créer, parce que ce n'était peut-être plus ma place. Et j'ai voulu apporter toute cette expérience à toutes les associations. Donc j'ai voulu devenir président de la fédération, ce qui est le cas cette année. Cela me permet de travailler avec les multiples groupes de personnes qui sont sur le campus, de les aider, de les épauler, et puis au final, peut-être de les découvrir un peu plus. Au fond, je pense que c'est l'essentiel de ce parcours, c'est d'avoir déjà intellectuellement, puisqu'il y a les cours en parallèle de la vie associative, appris à mieux cerner les enjeux actuels pour mieux anticiper l'avenir, et puis à la fois aussi humainement, puisque j'ai pu vraiment découvrir les gens. Je ne reste plus focalisé sur ce qui pourrait être des a priori, mais au contraire, je les découvre et j'ai pu créer de belles amitiés grâce à cela. Et au final, c'est peut-être l'apport définitif, c'est d'être un vrai adulte.